Nous sommes dans notre maternité d'attente, la maternité d'attente qui abrite les cas de gynéco, gynéco et médecine interne et femme. Donc ici nous mélangeons les malades et les gestantes. Ici nous mélangeons les malades et les gestantes. C'est la raison pour laquelle vous voyez tout ce monde. Certains nous parlent des moustiquaires parce qu'il y a des fois débordés, il faut des bâtiments. Notre salle d'urgence, c'est où on reçoit les malades. Quand ils arrivent, on essaie de les stabiliser. Dès qu'ils sont stables, on les transfère dans les salles. Selon sa maladie, celui de la chirurgie, on l'envoie en chirurgie, celui de la maternité, celui de la médecine interne, celui de la pédiatrie, on l'entre dans la pédiatrie. Et s'il y a un cas qui nécessite la surveillance stricte, on l'a toujours surveillé ici.
nous sommes, c'est les postes-partum tardifs. Si nous avons des postes-partum, des postes-partum tardifs, un postes-partum pour les accouchés ectosiques et un autre postes-partum pour les accouchés dystosiques, des cas de césarienne. Ici, nous sommes, c'est pour les accouchements ectosiques. Je suis le pharmacien responsable de la pharmacie du centre, centre médical du Rézi. Je distribue des médicaments aux services différents, la maternité, l'hospitalisation. Je pense qu'il y a des médicaments générique et des médicaments spécialités. Par exemple, nous avons des Nicléo, des Felden. Il y a des médicaments qui sont spécialisés. Omwe basinifikia pale ba niangalia kama naweza pona. Shida ni napata tu ni kukosewa tu pesa tu ndo kwa maana nina wananitunza mzuri kwa kila siku. Wananiangaliaka kumungulu na kunitunza mzuri. Tusaidie na vingine vitu kama wanaweza pata madawa vitu vingine wanaweza kututu. Nilikuja hapa kwa hospitali ya Kirezi. Jumi napafurahia. Na banazalisha mzuri. Masale ziko mzuri. Na banganga wanaongelesha watu mzuri. Kuko maji ya mzuri na kura vile vile. Shida ni kulala tu mbaya juu watu ni wauli wauli kwa kitanda. Tunaomba kwa wakuu kiongozi watuongezee manyumba. Juu tuko wauli wauli kwa kitanda. Lazima mimi nichukua niko na mimba ya kabambi mwingine ya kidogo inaenda kutana tustahili wawili kukitana. Malipo hayo haina shida juu kila mtu na jinsi yake. Naomba wapu kiongozi batusaidie na malipo juu iko nguvu wanaume wetu hawana kazi. Tuko adala na tunakosa matakutosha hospitali tunamaliza miezi mbili, miezi tatu juu ya kukosa msaada na kazi. Shida ya kwanza tuko tunapata shida ya malipo ya mganga. Shida ya pili tuko tunapata shida ya kujifunikia mzuri. Hatulala mzuri hivi tuko tunachangia kitanda bawili. Hii centre hospitalier Kirezi tunalomba wakuu watusaidie kwanza watushushie bei ya malipo ya mganga. Na kisha watuongezee vitanda na watusaidie ya kujifunikia.